Après le whiz, après le wooz, voici le temps du rock'n'roll. Et bienvenue dans ce 101% absolument magique dont le sommaire sera truffé de blagues qui ne seront pas de moi, mais on va la faire tout de suite. Alors donc, je vous fais le sommaire. On va commencer avec Super Monkey Ball, Step and Roll. Donc c'est une critique flash sur Wii. Hop, j'écarte mes cheveux pour voir la suite. On enchaîne avec un Katsuka, attention, début de blague, Katsuka à ne rater sous aucun prétexte, avec monsieur Robert Vallée, directeur, réalisateur, enfin, directeur, ça y est, je fais mon Van Damme comme directeur, donc réalisateur des clips, entre autres, de Gorillaz, et aussi qui a fait cette superbe introduction sur le jeu Beatles, Rock Band, etc. Oui, oui, tout à fait, donc à ne rater sous aucun prétexte, première partie de la blague, on verra ça par la suite. Ensuite, nous aurons, alors c'est simple ce qu'on aura après, on aura la minute du geek sur une faucheuse. Ok, c'est parti. Là, vous dites qu'il n'y a pas de blague. Moi, je trouve que déjà, c'en est une, la faucheuse dans une minute du geek. On va se demander comment on va trouver ça. Geek, ça, on ne sait pas. Et alors ensuite, c'est simple, nous aurons Tokyo Café. Et là, c'est un raté Suzuka prétexte. C'est Alex Pilot qui nous fait ses blagues. Et oui. Et tout de suite, les news. Il est facile de prédire le succès d'un jeu. Prenons par exemple un titre made in Nintendo ou un FPS grand spectacle façon Modern Warfare 2. En revanche, pour certains autres, la tâche est nettement plus compliquée. C'est le cas pour le dernier projet massivement multijoueur online réalisé par les équipes de Zipper Interactive. Plus de 500 000 acheteurs auraient en effet craqué sur ce FPS qui permet à 256 joueurs de s'affronter en ligne. Un très bon score qui confirme également la nette progression de la PlayStation 3 au niveau des charts. Et ce, à l'échelle mondiale. Electronic Arts et le studio suédois DICE se frottent les mains en ce moment, tout en se donnant des petits coups de coude amicaux dans les côtes. La démo multijoueur de leur prochain jeu, Battlefield Bad Company 2, disponible depuis fin janvier sur le Xbox Live et le PSN, a en effet été téléchargée plus de 2 millions de fois dans les 5 jours qui ont suivi sa mise en ligne. Le FPS orienté multi prévu pour le 2 mars prochain pourrait ainsi obtenir le titre de la démo la plus téléchargée de l'histoire des jeux Electronic Arts. Ça fait toujours plaisir, tout en augurant du meilleur pour le jeu développé par les studios responsables de Mirror's Edge. Il faut avouer que Namco Bandai, entre deux licences Dragon Ball Naruto, est un éditeur ayant déjà fait montre de sa capacité à surprendre et à sortir des titres qui ne ressemblent à nul autre. L'éditeur des deux projets génialement azimutés de Takahashi Keita, Katamari Damashi et Nobinobi Boy, devrait ainsi sortir d'ici la fin février, début mars au plus tard, un titre WiiWare nommé Muscle March. Dans ces derniers, le joueur incarne un bodybuilder qui vient de se faire chourer ses vitamines. Il part donc immédiatement à la poursuite du voleur, accompagné par tous ses potes bodybuilders. Tout ce petit monde franchit en remuant des fesses et en courant de plus en plus vite les différents niveaux du jeu et traverse murs et cloisons en y laissant l'empreinte de leur corps à la manière d'un personnage de cartoon. Le joueur doit donc adopter la bonne posture, Wiimote et Nunchuk en main, pour passer à travers les empreintes laissées par ses prédécesseurs afin de rattraper le voleur de vitamines pour le plaquer au sol. Autant vous annoncer tout de suite qu'on se fera un plaisir de critiquer dans 101% ce jeu totalement barré. Quel joli jingle! Alex, pourrais-tu nous en dire plus sur ces nouveaux jingles? Bah déjà, on aurait dû en parler dès lundi dernier. C'est vrai, mais nous avons préféré faire les blagues sur les focus et ça les gros plans. Ça fait 3 jours avec, je pense, les spectateurs ont entendu qu'il y a du changement au niveau sonore. Ça, il y en a, hein. Il y en a. Bah, figure-toi que c'est notre ami Yamaoka Akira, hein, qui avait déjà fait les musiques de 101% depuis le début, qui nous a fait donc, on dit un renewal, des nouvelles versions. Ok, des nouvelles versions des musiques. Des musiques pour donner un peu de 109 à l'émission. C'est sympa. Bah, c'est vraiment sympa de sa part. Honnêtement, tu crois qu'il a fait ça pendant même pas osé demander. Tu crois qu'il a fait ça pendant sa période de chômage, vu que maintenant il a retrouvé du travail. Exactement. Comme il était entre deux boulots, exactement. Il avait un peu de temps. Oui, chômage, et c'est lui-même qui nous a proposé. Quoi. Voilà. Ça, c'est cool. Décidément, on en a de la chance sur nos lives. On a vraiment beaucoup de chance. Moi, en tout cas, je suis ravi. Mais tu sais qu'il y aura encore des gens qui vont nous dire que c'était mieux avant. Bah oui, mais c'est toujours mieux avant. D'ailleurs, moi, je regrette des vies. Série plutôt discrète.
discrète qui a vu le jour en arcade en 2000, Super Monkey Ball compte désormais près d'une dizaine de titres, dont le dernier vient de sortir sur Wii. Ce n'est d'ailleurs pas le premier épisode sur cette plateforme, puisqu'en 2006, le jeu Banana Blitz était sorti pour le lancement de la console. Super Monkey Ball se situe dans la veine des jeux tels que Camel Try ou Colo Colo Postnin, qui consiste à mener une bille à travers un labyrinthe jusqu'à une porte tout en ramassant divers objets. Alors que ce gameplay était à l'époque réservé à des jeux 2D, Super Monkey Ball avait eu l'idée de le transposer dans un univers en 3 dimensions, accessoirement en enfermant des singes dans des boules. Comme on pouvait s'y attendre, les versions Wii utilisent bien sûr la Wiimote qu'il faudra incliner pour que le plateau sur lequel glisse la Monkey Ball s'incline lui aussi. La nouveauté de cet épisode vient de la possibilité de jouer avec la Wii Balance Board exactement comme dans la suite de Kololinpa, un jeu très similaire développé par Hudson Soft. Mais là où se démarque Super Monkey Ball, c'est par ses parcours assez courts. L'optique du jeu est donc plus arcade, ce qui laisse la part belle à la quête éternelle du meilleur score. Il faut en effet réaliser les parcours dans le temps imparti et attraper un maximum de bananes tout en évitant de tomber dans le vide, ce qui est plutôt difficile lorsqu'on est balancé à toute berzingue sur un parcours sans rebord. La maniabilité extrêmement simple rend le jeu accessible à tous, puisqu'il suffit d'incliner la Wiimote. Cependant, la difficulté est rapidement au rendez-vous. On trouve ainsi un mode classique où l'on enchaîne les niveaux au fur et à mesure, un mode marathon, un mode entraînement et un tutoriel. Au début de chacun de ces modes, on peut choisir sa Monkey Ball et donc le singe à enfermer dans la petite sphère transparente, chaque primate ayant une inertie différente. Il est également possible de jouer en coopération, mais ce n'est pas le seul aspect assez convivial du titre. Une vingtaine de mini-jeux sont ainsi proposés. Ces derniers, jouables de 1 à 4 joueurs, sont assez variés et proposent d'utiliser la Wiimote et parfois le Nunchuk. Clairement positionné comme un jeu casual, Super Monkey Ball Step'n'Roll se situe sur deux niveaux bien distincts. Le fameux public casual appréciera la maniabilité toujours aussi efficace et agréable. La possibilité de sortir sa balance board du placard, bien qu'elle ne soit ici qu'un gadget, ainsi que la pléthore de mini-jeux proposés. Le divertissement familial par excellence, même si ce genre de jeu est habituellement proposé un tout petit peu moins cher. L'autre public est celui des scoreurs chez qui le jeu remplira encore une fois leur soif de défi à coups de tracés sinueux, de raccourcis invraisemblables et de bananes à récupérer. Il suffit de revoir le super play consacré au Monkey Ball de la GameCube pour s'en convaincre. Si l'on ne se situe pas dans une de ces deux cibles, ce nouveau Monkey Ball risque de sembler bien redondant. Et oui, tout le monde ne saisit pas la beauté d'une post-goal banana. Eh, dis donc, t'as entendu ce jingle, Alex ? Eh oui, lui aussi, il est nouveau. Il en a fait plusieurs. C'est incroyable, hein ? Il a pas chômé. Pendant son temps de chômage. Un peu de respect. Oui, c'est vrai. Pour Kasama. Bon, certes. C'était donc quand même Robert Vallée, là. Hein. Non, on a vu la critique. Ah non ? Ah là, on a vu le... D'accord. Donc maintenant, on parle de Robert Vallée. Robert Vallée, donc réalisateur. C'est chouette, quand même. Ça aussi, on a de la chance de le voir. Donc Gorillaz sort un nouvel album en mars, au fait, hein. Je pense que tout le monde a entendu la petite version de la nouvelle chanson qui est sur le net en ce moment. On écoute gratuite, hein, attention. Voilà, donc Bakatsuka. Pacha. Salut, au programme de cette troisième émission Katsuka, un projet animé français sur le cosplay, ainsi qu'un focus sur l'artiste Robert Vallée. Mais avant ça, les news. Wes Anderson, réalisateur de La Vie Aquatique, se lance dans l'animation avec Fantastic Mr. Fox, sorti dans nos salles aujourd'hui. Ce long-métrage de marionnettes est adapté du livre de Roald Dahl et raconte l'histoire de trois éleveurs de volailles qui doivent faire face à un renard très futé. Sachez que le film devait être co-réalisé par Henri Selick, qui se désista en cours de route pour signer Coraline. Fantastic Mr. Fox. Sortie plus discrète la semaine dernière de Jeannot l'Intrépide, tout premier long-métrage d'animation français réalisé en 1948 par le pionnier Jean Image et récemment restauré. Avis donc aux amateurs les plus férus d'animation. Et si ce style vous rappelle celui du fameux petit mineur que l'on voyait jadis avant les films au cinéma, sachez que ce n'est pas un hasard puisqu'il était animé par Albert Champeau qui dirigea l'animation sur Jeannot l'Intrépide. Si vous êtes sur Paris le 23 février, ne ratez pas l'avant-première du long-métrage d'animation japonais Summer Wars, organisé à l'UGC des Halles.
Il s'agit du nouveau film de Hosoda Mamoru, qui sera présent lors de cette séance et qui avait déjà signé la traversée du temps. Le film sortira en salle le 9 juin grâce aux efforts de Kaze et Eurozoom. Summer Wars. Copycut est un projet français de série assez atypique dont le thème central est le cosplay. Développé par Alexis Labia dans son studio Normal Animation, cette histoire narre les aventures des Copycut, une bande de cosplayers européens un peu fauchés. Ils parcourent les festivals et concours du monde entier à bord d'un grand van en espérant accéder à l'ultime compétition de Tokyo et son grand prix mythique, le costume d'Ichiman, premier cosplayer de l'histoire. Ce sera sans compter d'autres groupes de challengers dont la bande des AK, très très riches, et qui achètent leurs costumes, ce qui est mal. En attendant qu'une chaîne signe le projet, voici tout de suite le pilote. Prépare-toi au combat, Mécatron ! Les Full Metal Samouraï sont prêts ! Full Metal Samouraï, prêts pour la battle ! Aïe ! Oui, bon, ce concours-là, on l'a un peu planté. Ça peut arriver. Même au meilleur. Nous, on est les Copycut, une bande de potes de la tribu des cosplayers. Sacré Barry, encore en train de causer tout seul. Parce que notre truc à nous, hein, c'est les concours de cosplay. Cosplay? Facile. Contraction de costumes et de players. Eh ouais, on se déguise pour jouer nos personnages préférés. La cape, voilà, parfait. Tremblé, bandits et gredins. Superman arrive en ville. Oh, je sens bien ce concours, je sens bien. Eh oui, on court les concours de cosplay. De grandes villes en pleine paumée. C'est la belle vie, la vie de bohème. Hé hé, aujourd'hui, Atelier Récup. Grouille, ça commence! Matos, premier choix. Métamorphose! Le concours! Maintenant! Pas vrai, ça? Elle est où? Métamorphose? Ok. Bon, les costumes, c'est bien. Mais faut pas oublier d'assurer le show. Une bonne chorégraphie, c'est 50% de la gagne. On commence tranquillou avec le classique incontournable, un bon vieux moonwalk. C'est chaud, c'est chaud. On les achève avec le lourd séquence hip-hop. Yo, man. Vous me le gagnez, ce concours. Vous me le gagnez. Et surtout, on n'oublie pas de sourire. Ce qui est bien avec les compètes de cosplay, c'est qu'on les fait dans des conventions. Ces méga rassemblements de geeks, otaku et autres fans de tout poil. Yes, monsieur. Moi aussi, j'aime les conventions. Non ! Un robot rock 1977 comme tout neuf, nickel ! Avec toutes ses armes ! Et son boulgour au poing ! Et son blister d'origine ! Combien ? Vendu ! Quoi ? Non ! Encore de la soupe aux cailloux ? Disons que la bourse commune vient de subir un crack foudroyant. Un genre de robot crack, non ? Excellent pour la santé, le granit. Bon miam miam de super-héros. Toi, tu t'appelleras Sakura. Et toi, Kyoko. Oh, Candy, on est un peu grossi. Va falloir faire un nez. En voiture, c'est reparti. Créatif, aventurier, audacieux, débrouillard. Oh, ils sont bons, les Copycat. Ah oui, ils sont bons. Mais pas autant que nous. En avant, mes champions. Budget illimité. Mais je veux la victoire finale. Ça y est, c'est sur le blog de Full Anime. Normal fait la série. 52 épisodes de 13 minutes, plus deux spéciaux de 30 minutes. Oh. Courtel, on est des stars. Peut-être bien qu'ils feront des produits dérivés. Des figurines de... Moi. Comme ça, ce sera pas trop cher à collectionner. Méga lol, mamie. Eh, hey, mais qui Candy. Oh. Ah. Plutôt cool comme vie. Rafraîchissant. Mais bon, c'est vrai, des fois, on rame. Hardi la jeunesse, on y croit. Plus qu'aux 52 épisodes. Oui, oui, moi aussi je m'aime. Ne poussez pas, mademoiselle, il y en aura pour tous les... Oh non, c'est moi, Pichu. Robert Vallée était fin janvier au Festival d'Angoulême pour dédicacer son sketchbook fraîchement publié par l'éditeur Comics Bureau, un joli petit ouvrage présentant de nombreuses illustrations et BD. Mais cet artiste américain est également un animateur très doué dont vous avez sans doute déjà vu le travail sans le savoir. Il a notamment travaillé avec Peter Chung sur la série Aeon Flux, ainsi que sur le storyboard de Dark Fury, le spin-off animé de Pitch Black,
dont vous pouvez voir un bout de l'animatique. Mais Robert Vallée, c'est surtout l'un des principaux animateurs des clips de Gorillaz, réalisés par Pete Conland, son collaborateur régulier, avec qui il a aussi signé tout récemment les cinématiques du jeu The Beatles Rock Band. Voici en prime un extrait de son court-métrage Massive Swerve que je ne peux vous montrer en intégralité pour cause de contenu un peu adulte, mais que je vous recommande de voir en ligne sur la page de l'émission. Infos sur l'émission, rendez-vous sur katsuka.com/nolife. À dans 2 semaines pour le prochain numéro. Et maintenant, c'est la minute du geek sur la faucheuse. Eh oui, on se demande ce qui lui passe par la tête en ce moment à Julien. Parce que Cyrano de Bergerac, Conan... Fini les circuits imprimés, les trucs de geek, les consoles. Non, là maintenant on se prend la tête là. Maintenant il va nous en faire une sur Dieu ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas quelle substance il prend en ce moment, mais. Une minute du geek. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Depuis le 15e siècle, il est courant en Occident de personnifier la mort sous l'apparence de la faucheuse, un squelette encapuchonné armé d'une faux. Les origines de cette représentation sont nombreuses. On pense par exemple aux danses macabres de l'art médiéval qui représentaient les guerres et épidémies sous forme de squelettes dansant avec les vivants. Bon, il n'est pas compliqué de voir pourquoi la mort était symbolisée par un squelette humain. Certains assimilent également la faucheuse à certaines descriptions de Charon, le passeur du Styx, le fleuve menant aux enfers dans la mythologie grecque. Il faut toutefois noter que cette image squelettique de Charon est en fait assez moderne. Dans l'Antiquité, Charon était plutôt représenté comme un vieillard ou comme un monstre.
Il est également possible que la figure de la faucheuse soit dérivée d'Azraël, l'ange de la mort biblique, parfois représenté avec une faux. La symbolique de la faux avec la mort est quant à elle très ancienne, puisqu'elle renvoie à l'idée de la moisson. Non seulement lors de la moisson, le faucheur coupe les blés, une action violente qui peut symboliser la séparation de l'âme du corps, mais surtout lorsque la moisson est effectuée, cela signifie que la saison hivernale arrive. La saison hivernale est par définition une saison morte. Dans la mythologie grecque, le titan Cronos était représenté maniant la faux. C'était une divinité de l'agriculture, mais les légendes le concernant sont assez morbides. En effet, Cronos émascula Uranos avec sa faux, et plus tard dévora ses propres enfants. Cronos est peut-être une des premières incarnations de la faucheuse. Il faut noter qu'il fut réinterprété à la Renaissance en tant qu'incarnation du temps, ce qui est cohérent avec la symbolique du faucheur et du dévoreur. Dans la pièce Don Juan de Molière, lors du dénouement, lorsque le trépas de Don Juan est inéluctable, un spectre apparaît avec une faux à la main. Il est décrit comme étant le temps, donc Cronos, donc la mort. Enfin, en anglais, la faucheuse est nommée Grim Reaper. D'après certaines sources, le mot Grim, qui signifie lugubre, serait en fait dérivé de Grimnir, l'un des noms que prend Odin dans l'Edda poétique, qui signifie celui qui porte une capuche. La faucheuse pourrait donc également être une résurgence des anciens mythes germaniques. Comme dirait Benoît. Ça, c'est ma nouvelle blague. Je vais vous refaire la blague parce que tout de suite c'est Tokyo Café. La blague d'Alex, hein. Moi j'y suis pour rien. Oui, je te vends, moi je m'en fous, je suis comme ça, je suis un traître. Donc, Tokyo Café tout de suite, à ne rater, Suzuka prétexte. Eh ben, va falloir que tu l'assumes celle-là. Hein. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! ということで、先週に引き続き、皆さん、どんなアーティストが何を欲しがってるのかをお届けしたいと思いますので、VTR 早速、スタート。では、モノなどのお二人にお聞きします。まず、アニスさん、プレゼント、ファンからもらって嬉しいものから教えてください。はい。何でも嬉しいです。はい、嬉しくないものはないです。とりあえず本当ですか？じゃあ何か困るもの、ちょっと高価すぎるもの。さっきね、はい、何でも嬉しいとおっしゃってましたけれども、生き物とか犬持ってきたよ。あ、それないですね。今のところないですけど、あったらあったで、まあ、どうにか食欲だったら、なんか食べれるものだったら大丈夫です。ですって。皆さん、では次アリさんにお尋ねします。アリさんがもらって嬉しいものって何ですか？あ、すごい、何でもこうもらえるものは嬉しいんですけど、でも実は手紙ですね、一番嬉しいのは。うん、手紙。嘘だ。嘘と。いや、冗談冗談。ラブレター、皆さんね、アリさんにはラブレター、熱いラブレターをメッセージ書いてくださいと。困るものを教えてください。やっぱり、まあ、アニスの言った通り、あんまりこう高価なものだったりとかするとすごくこう悪いなっていうふうに思っちゃうんで、本当手紙だけで全然 OK っていう感じですね。ということで、モノラのお二人でした。もらって嬉しいプレゼント、もらってちょっと困るプレゼント、ちょっと一人ずつ教えてください。いや、嬉しいものはやっぱ愛情ですかね。困るもの、困るものはね、高価なもの、気持ちが欲しいです、やっぱり。どうぞ。嬉しいものはお手紙とかですかね、やっぱり。困るものは分かんない、考えたことない。私はなんだろうな、なんか私のことを思ってプレゼントしてくれてるものは何でも嬉しいんですけど、困るもの、何ですかね。例えばね、こうやってフランスに来るわけじゃないですか、大きいぬいぐるみとかもらっちゃうと、使えるのは大変そうですよね。なんだろう、大きいものはすごい困るかもしれない。重たい、なんか鉄球とかね、ボウリングとか。この質問が困るよね。私の質問が一番困らせちゃったぞ。嬉しいものですか？嬉しいものは入浴剤。入浴剤、はい。困るものか、
なんだろうな、今までもらって困ったものとかありますか？え、もらっちゃったみたいな。え、なんか腐りかけてた手作りのケーキみたいなやつ。やっぱり生物はね、大変ですね。大変ですよね。ぶち壊せ break and peace、 音もなく迫る。続けていきます。鳥を飾ってくださるのはガリの皆さんです。嬉しいものはそうだな、まあ、写真でも何でも軽いものだったら、うんうん、それは軽いもの。それはなぜ？飛行機で持って帰るのに楽だから。そうなんです。みんなね、多分フランスに住んでる人分かんないと思うんだけど、重量制限がありますからね、あんまり重たいものを好きな人にあげるのはやめましょう。では、はい、どこさん、困ったもの。困った、もらって困ったものもらったことがないから、困ったことがない。みんなでどこさんを困らせてみよう。で、直樹さん、今までファンか外国のファンで外国でもらって嬉しかったものを教えてください。あのその時かぶっていた帽子をもらいました。はい、どんな帽子でした？麦わら帽子です。もらってかぶってあげた。かぶりました、かぶりました。あの、それ嬉しかったんですね。嬉しかったです。困ったものは何でした？困ったものは麦わら帽子です。ほんで、自分の趣味を押し付けるのはやめましょう。はい、じゃあ陽一郎、もらって嬉しかったもの。以前来た時に一緒に撮った写真とかを見せてくれると嬉しいよね。うん、嬉しいですね、うん、じゃあ陽一郎、もらって困ったもの。困ったもの、いや、僕はファンの方からもらうものに困るものは何もありません。言いました、言いました。私がちょっと早速困らせてみたいと思います。何をプレゼントすればいい？やっぱね、リサーチしなきゃいけません。リサーチをしてちゃんと喜んでもらえそうなものをプレゼントしましょう。これね、あのただのグミじゃなく、ちょっと振ってゴム度を確かめて。硬い超好きなやつ。知らない、これ何なんですか？これはね、味がすごくいいんですよ。すごい偶然選びました。偶然の産物で当たりました。ちょっと開けて食べてみてください。あ、これが超うまいんですよ。これいただきます。私はお手本に自分の好きなアーティストさんにプレゼントをいろいろ試してみてください。皆さん喜ばれるものをあげましょう。ということで、ふむねこんぶぶれガリの皆さんでした。さよならその一言。Eh ben, c'était pas si rock'n'roll. Décidément, on n'arrête pas de faire des annonces, mais on les suit jamais. Par contre, je crois que tu peux dire que la passion, c'est bon. Pourquoi? Tu veux que je dise la passion, c'est bon? C'est ce que je t'avais répondu la dernière fois. Tu m'avais dit je t'emmerde et je l'avais gardé. Eh ben, cette fois, je dis et je dois la garder?